parle, même les images. La voici ici, avec Emma Louis. Mais après ça, la femme dit qu'elle est rentrée en contact maintenant avec Emma. Pour lui dire que depuis que tu es parti, c'est les problèmes que j'ai. Vous avez entendu quand elle a dit que la femme, Emma lui répond par des émoticônes de rire. Vous pensez que je suis un enfant pour venir là sur les réseaux sociaux en train de mentir sur les gens? Vous pensez que c'est mon travail de mentir sur les gens? Est-ce que vous savez les problèmes que moi je peux encourir si jamais on se rend compte que je suis en train de mentir sur les gens? Vous pensez que je suis un enfant, donc pour rien comme ça, je vais me lever et puis je mens sur les gens et puis ça me fait plaisir, quoi. Oh, pour avoir quoi? Des vues? Je suis au States, je suis aux États-Unis. Et ici, là, il y a un travail qui est versé. Waouh! Tu ne peux pas rester ici un mois sans voir travailler, sauf si toi-même tu ne veux pas travailler. Le revenu, tu peux l'avoir à gogo, sauf si tu ne veux rien faire. Donc, à cause de vue, je vais mettre ma réputation en danger. Je vais mettre ma liberté en danger. Je vais passer mon temps à jeter l'opprobre sur les gens. C'est ce que vous pensez? Vous pensez que je suis fou? Je n'avais jamais parlé de cette histoire si la femme m'avait pas envoyé des preuves. Si la femme n'avait pas raconté son histoire telle qu'elle l'est. Et j'ai vu qu'elle était crédible. Je suis allé vérifier. Et j'ai vu que c'est vrai. Vous venez là? Oh, c'est faux. Oh là là, tu mens. Oh, c'est tard, c'est rentré, c'est sorti ici. Pensez que je suis dans vos plaisanteries. Hein? Vous voulez défendre Emma, ça c'est votre problème. C'est la vie que vous avez choisie là. Tant que ce n'est pas arrivé à un membre de votre famille, tant que ça ne vous est pas arrivé vous-même, vous pouvez jouer les chihuahuas sur les réseaux sociaux en train de prendre votre temps, des êtres humains comme vous, souvent des vieilles femmes, des vieux, des jeunes, des jeunes filles, des jeunes hommes. Prenez votre temps. Au lieu de chercher travail, au lieu de vaquer à vos occupations, vous allez prendre votre temps béni là, que je suis Emma Louis. Je suis là, je défends Emma Louis. Et vous allez passer votre temps sur tous les blogs là où on parle de Emma. Vous allez passer votre temps sur les blogs en train de parler d'Emma. Pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Que moi que j'ai que... Vous savez, il y a une chose, vous vous trompez sur certainement sur mes intentions. Un blogueur, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un blogueur? Quand on dit quelqu'un tient un blog, c'est les Ivoiriens qui ont gâté leur nom. Mais moi, je ne fais pas partie du lot. Ce sont les Ivoiriens qui ont gâté leur nom. Moi, je ne fais pas partie de ce lot-là. Venir sur les réseaux sociaux en train de s'injurer, gronner, grosse tête là, c'est les Ivoiriens qui ont amené ça. Ça ne fait pas partie du blog. Ça, ce n'est pas du blog. Un blogueur, c'est un investigateur. C'est comme un journal. Le journal, comme La Voix, comme Fraternité Matin, les journaux que vous voyez là. Comme New York News, tout ça là. C'est ça, un blog. Au lieu de faire ça en paper, c'est quoi? Du newspaper. C'est-à-dire que les nouvelles en papier. Et un blogueur, c'est ça. Ça, un blogueur, on dit blogueur parce que ça se trouve sur des plateformes d'Internet. Vous comprenez? Donc, quand on dit tu tiens un blog, c'est d'abord, il faut être dans la vérité d'abord. Tu as le droit de publier des informations. De dire que j'ai constaté ceci. Et moi, je suis un blogueur critique. Critique de faits sociaux. C'est ça, c'est ce que je suis. Vous tapez sur Internet, vous allez voir ce que ça veut dire. Donc, je ne viens pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Ou parce que je n'ai pas de sujet, je dois... Non, 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 je suis en train de dénoncer quelque chose. Cette femme, elle est dangereuse. Et vous êtes là? Pourquoi vous ne dites pas que Emma va avoir des problèmes? Pourquoi non? La femme là va avoir des problèmes où... Ah, donc vous reconnaissez que Emma est dangereuse? Si la femme raconte son calvaire et que vous pensez qu'elle va avoir des problèmes, vous reconnaissez la dangerosité de Emma? Parce que si Emma n'est pas dangereuse, vous qui la demandez, pourquoi vous dites que non, elle va avoir des problèmes? Est-ce que c'est un problème de raconter son calvaire qu'on a vécu avec une tierce personne? Est-ce que c'est un problème de raconter son histoire qu'on a vécu avec une personne? C'est mauvais? Je crois que dans la Constitution, c'est écrit la liberté d'expression, ça est dans notre Constitution, dans nos lois. Ça existe. Lorsqu'on parle d'intimidation dans un pays, c'est qu'il y a dictature.
Il faut que les gens arrêtent d'intimider les gens avec « Je vais te convoquer, je vais te convoquer, arrêtons ça. » Je crois que c'est le travail du procureur de vérifier certaines informations. C'est son travail de les vérifier, pas de mettre tout le monde en prison.